Bonjour! Maintenant, on va apprendre la partie 8D, qui est la partie ou la section que vous avez le choix entre quatre versions, un de chaque chorégraphe. Donc, celui-ci, c'est celui de Jeannie, et si vous voulez apprendre celle-là et la faire pour la chorégraphie, vous allez regarder pour les chandails de cette couleur-ci. On va commencer. On vient de finir avec la section 7, et on vient de finir notre improvisation. On va sauter sur 1, et on va avoir nos bras vers la gauche, les paumes de la main vers le plancher. Et on va avoir 6 comptes pour tranquillement aller vers la droite. On va compter ça tout le monde ensemble. Donc, on vient de finir notre improvisation. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super! C'est comme si on disait, oh, on attend, on fait le suspense pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, sur 6, on va commencer une vague avec la main gauche. Donc, on va commencer à faire une vague de gauche à droite. Et ensuite, on va la renverser de l'autre bord, les croates à gauche. Les comptes pour ça, on vient de finir 6 et 7 et 8. Très bien. On va essayer ça du début. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Maintenant, on va croiser nos deux bras vers l'avant. Ça importe peu laquelle qui est par-dessus l'autre. Je fais ma gauche si vous voulez faire comme moi. On plie nos genoux et on va ramener nos pieds ensemble et on va ouvrir nos bras. Ouf! Donc, on ouvre les bras et on ferme les jambes. Super! Donc, viens finir. Et 7, et 8, et 1. Maintenant, on va faire des pulsations vers en arrière. On va garder nos bras très grands et ouverts avec de l'énergie. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 comme ça. Et ce que j'essaie de faire, je vais faire de profil. J'essaie d'amener mes hanches vers l'avant, faire une pulsation avec mon dos et mes hanches. Super! On va essayer ça du début. 7, 8, saute. 1, 2, 3, 4, 5. 6, main gauche, main droite. Et 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va croiser nos bras. Et 6. Croise, ouvre, et nos paumes de main sont encore vers le plancher. Donc, celui-ci, c'était vers le ciel. Et maintenant, c'est vers le plancher. Nos jambes vont faire comme un V. Ça, c'est le bout de notre V. Ensuite, on fait droite, gauche, vers l'avant pour que ça fasse une petite diagonale. Avec les bras, et 6. Encore une fois, et 6. Très bien. Maintenant d'ici, on va croiser nos jambes et, bon, on ne peut pas croiser nos jambes, on peut croiser nos bras, puis on va rentrer nos genoux vers l'intérieur. Et ensuite, on va venir vers la droite. Je vais déposer proche de mon coude sur mon genou plié de droite et ma main gauche va être reposer ici sur ma gauche. Oui? Donc, on venait de croiser. Ensuite, on va transférer notre poids vers la droite. On va aller chercher la corde d'en haut et on va la tirer. Ça va nous ramener debout. Maintenant, j'ai mon bras gauche qui est croisé sur mon cœur. J'ai ma main droite qui est croisée en arrière. Super. On va recommencer d'ici. Et 6. Donc, on vient de faire nos 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8. On attend et 1, 2 pour faire des pulsations dans cette position. 6, 7, 8. Il y en a 8 comme ça, et ensuite, on a fait 4 de plus en tapant sur notre... Ben, c'est notre cœur de ce côté-là. On va taper sur où est-ce que votre main gauche est. On en fait 4. 1, 2, 3, 4. Super. On a presque fini. On vient finir d'ici 4. On va maintenant... 1, 2, 3, 4. On va maintenant laisser nos bras se délousser. On va avoir notre jambe droite qui se lève sur 5. On va faire un pas de bourrée vers l'arrière, vers le côté, vers l'avant, en arrière, et côté, et devant. On pratique ça une couple de fois.
En arrière, à côté, en avant. En arrière, à côté, en avant. En arrière, à côté, en avant. En avant. Super. Vous pourrez vraiment bien pratiquer ça parce que ça, ça va très vite. On est ici sur 5 et 6 et 7. Maintenant, on va tourner. On va ouvrir nos bras vers l'arrière et on va tourner vers l'avant. On va faire une surprise. Donc, je viens de pivoter. Je viens de faire mon pas de bourrée. Pas de bourrée. Croise tes jambes. Décroise tes jambes, ouvre les bras et va vers l'avant. Donc, on prend un pas, on glisse la jambe droite vers l'avant. Très bien. On va aller d'ici. Et 6. Donc, on finit nos 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8. 1, 2, 3, 4. On fait ça 8 fois. 7, 8. 4 de plus avec la main. 3, 4, 5, et 6, et 7. Croise, ouvre, croise, 1. Et c'est tout. OK, on va recommencer du début. On vient finir notre improvisation. Et on commence avec notre saut. 2, 3, 4. On a 6, compte ici. On fait la vague de gauche à droite, de droite à gauche. On croise les bras. On rentre les pieds ensemble. On ouvre les bras. On a 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, et 7. Et 8, 1, 2, 3, 4, 4, de plus, la même chose avec la main, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, croise, ouvre, glisse. Super. On laisse ça une dernière fois, on va faire ça un petit peu plus rapidement, parce que vous allez voir, ça va très lent, très vite, ensuite très lent, très vite. Avec mes comptes, on va y aller. 5, 6, 7, 8, saute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, avec la main, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, 1. Très bien, avec la musique maintenant. On vient finir notre improvisation. 1, 2, 3. Gauche, droite, droite, gauche, croise, ouvre. Et 6, et 7, et 8. 1. 5, 6, 7, 8 avec la main.